Hey! Comment ça va, vous? Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing que je vais vous filmer maintenant et un que je vous filmerai après pour faire deux vidéos. Du coup, hier, j'ai reçu ma My Little Box que j'ai complètement oublié de vous filmer, donc c'est-à-dire que je n'ai plus les cartons, les petits papiers et tout. Je vais juste vous montrer rapidement ce que j'ai eu dedans. Ce mois-ci, on a eu une box sous un tout nouveau format, puisque c'est sous format de cagette comme ça. Je vous montrerai à la fin quand elle sera vide, puisque j'ai mis tous les produits dedans pour vous les montrer. Je les avais tous rangés et tout, puis là j'ai fait, mais je n'ai pas filmé de vidéo. Du coup, on a eu une petite gourde en verre avec le truc antidérapant et tout. Donc voilà, elle a passé la nuit au frigo, vraiment. J'ai pas du tout repensé. Donc ça, c'est pour l'accessoire. En produit, on a eu. Enfin, après, ça dépend des versions. On n'a pas tous les mêmes versions. On a un profil beauté à remplir et tout. Et il y a peut-être 4 ou 5 versions en fonction des profils. Et donc, voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir la version que j'ai vue partout. Donc, peut-être que ce mois-ci, ça changeait pas. Parce qu'il y a parfois certains mois où ça change pas. Mais c'est plus souvent quand il y a des collabs que les produits sont tous les mêmes. Bref, autrement, il y a de la marque Davine, je pense, le conditionneur qui s'appelle Momo. C'est un conditionneur, donc un après-shampoing hydratant pour cheveux secs ou déshydratés. Il contient 75 ml de produit. Et de ce que j'ai compris, genre il aurait une texture assez bizarre et gélifiée. Donc on verra. Donc on a eu un baume à lèvres de la marque Boiron qui est hydratant et apaisant de 4 grammes aux extraits de calendula adapté aux lèvres sensibles non parfumées. 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc très bien. On a eu une crème hydratante visage de chez Innisfree aux fleurs de cerisier de Jeju. Il y a 20 ml de produit, donc c'est bien pour emporter en voyage. J'adore ce genre de produit et j'ai envie de regarder la texture. Ouais, c'est vraiment gélifié, vous voyez. J'adore ce genre de texture, c'est frais sur la peau et c'est beaucoup plus agréable et j'ai l'impression que ça m'hydrate plus la peau qu'une crème texture crème. Ensuite, en dernier produit de base, on a eu une mousse nettoyante de chez Origins dans la gamme blanche parce que je crois qu'il y a plusieurs gammes en fonction des couleurs. Et il fait 30 ml. Donc c'est toujours pratique les petits formats comme ça, moi j'aime beaucoup. Et je suis une abonnée extra, donc c'est un abonnement en plus de la box. Et ce mois-ci, j'ai eu shampoing et après-shampoing de la marque Raua. Je connais pas du tout. Donc 22 ml chacun. Et donc en fait, on reçoit ça en dehors de la box dans le même carton. Mais comme tout le monde n'a pas cet abonnement, bah, c'est pas mis dans la box. Et la petite cagette. Et du coup, j'ai décidé que là-dedans, j'allais mettre mes produits finis. Et comme ça, quand la petite cagette sera pleine, et bah, je vous ferai une vidéo des produits, ce que j'en ai pensé, ou ce genre de choses. Voilà ce que j'avais à vous dire. Autrement, le prix de l'abonnement. Alors, pour les abonnements, je suis en train de regarder à côté de moi. Il y a l'abonnement mensuel sans engagement, qui est à 18,50 par mois, puisque ça a augmenté, c'était moins cher. Moi, je sais que je ne paye pas aussi cher, puisque j'étais abonnée avant l'augmentation de prix. Et du coup, eh ben, ils n'ont pas augmenté ceux qui étaient déjà abonnés avant. Du coup, maintenant, c'est 18,50 par mois. Ou alors, l'abonnement de 1 an, qui je crois doit se renouveler automatiquement, je ne sais pas. Et qui est à 203 euros au lieu de 222 euros, puisqu'ils font payer le prix de 11 box pour en recevoir 12. Mais je trouve que ça fait une grosse somme à donner d'un coup. Que l'abonnement mensuel, ben, ça fait moins cher quand même. Enfin, ça fait plus cher au total, mais moins cher à donner d'un coup. Donc, autrement,
Pour les extras, ce que c'est alors ils disent qu'il y a quatre cadeaux. Donc il y a l'expédition rapide par Colissimo, des offres en avant-première, des produits haut de gamme tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, on reçoit des petits produits. Et des avantages chez les partenaires. Donc on reçoit tous les mois des réductions chez d'autres marques. Alors, au moment où je me suis inscrite, c'était 4,90 et je ne sais pas si ça a augmenté ou pas parce que je n'arrive pas à trouver d'autres prix sur le site, ce n'est pas marqué. Mais quand vous avez un compte, vous cliquez sur l'onglet Les Extras et vous pouvez normalement vous y abonner. Moi, à l'époque, il y avait un certain nombre de places pour être abonné extra, mais je crois que ce n'est plus le cas maintenant. Donc, vous pouvez toujours voir. Voilà, autrement, je vous laisserai mon code de parrainage en barre d'infos, ce qui vous donne 3 euros de réduction sur votre première box. Ce qu'il a fait à 15,50 au lieu de 18,50. Voilà les infos que je peux vous donner. C'est tout pour cette box, je crois. Ce mois-ci, j'en suis contente. En fait, j'attendais ça pour le rangement et la gourde en verre, bah, c'est toujours pratique, ça garde l'eau plus fraîche que d'autres types de gourdes. Et les produits, j'en suis plutôt très contente. Il y a des mois où je me dis bon, on verra le mois suivant. Mais là, moi j'aime bien. Mais je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, puisque j'imagine que tout le monde ne va pas utiliser de cagette chez lui. Et on a reçu un petit papier aussi disant que le mois prochain, ce sera en collab avec Estée Lauder. Donc je suis très impatiente de voir la collaboration et ce que ça va donner. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très rapidement, je pense, pour bah, du coup l'unboxing de la Degusta Box, parce que j'imagine que ce sera la suivante. Voilà, bah, c'est tout. Je vous laisse donc retourner à vos occupations. Je vous fais plein de bisous et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous!